Cuba. En ze is de echtgenote van een van de Cuban Five, René González. Geef ze alsjeblieft een applaus. Hola, Salamuela. Dan een petit beaucoup de fleurs pour elle. Applaudissez-les bien fort, parce que ces dames en ont besoin. Elles ont besoin de votre énergie. On peut donner l'énergie à Belga. Muchas gracias, señoras. Muchas gracias. Il est temps de féliciter aussi quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui met toute son énergie toute l'année durant en 2012 dans les bonnes causes, quelqu'un qui est solidaire. C'est le journal Solidaire qui aimerait remettre ce prix maintenant de presse solidaire. Uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich in de loop van 2012 bijzonder heeft ingezet op het vlak van solidariteit. En daarom zou ik David Pestiot en Ruben Rambour willen vragen van Solidair. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons remettre Ruben Rambour à côté de moi, le nouveau rédacteur en chef de Solidaire. Et moi-même, pour la troisième fois, le prix Solidaire. Goedenavond. We gaan vandaag de prijs Solidaire uitreiken van het weekblad Solidaire. Cette année, nous avions 10 nominés. 10 nominés qui ont été choisis par un jury. Et ces nominés ont été soumis à votre vote. We hebben 10 genomineerden. En die genomineerden, jullie hebben. Dus er is een jury die de genomineerden gekozen heeft. En jullie maken de uiteindelijke beslissing. Nous sommes très fiers de vous annoncer les vainqueurs. Ce sont des gens qui ont décidé de se battre contre les injustices. Et une injustice qui les a touchés au cœur. Ce sont des gens qui n'ont pas laissé baisser les bras. Ce sont des gens qui ont obtenu cette année une victoire. We zijn heel trots op de winnaar. Het zijn mensen die, nadat hun enorm veel leed is aangedaan geweest, een zeer rechtvaardige strijd hebben geleverd en een proces gewonnen hebben. Nous appelons ici la famille Jonker, c'est une famille qui s'est battue depuis des années contre un géant, le géant Eternit, qui a provoqué des maladies à des milliers de gens, qui ont tué des personnes de leur famille, et ces gens se sont mis debout, ont osé affronter cette multinationale et ont gagné. Un grand applaudissement pour eux.
peut aussi applaudir, il est dans les coulisses, il peut venir aussi, Yann Fermont, l'avocat des familles. C'est un grand timide,